Salut. J'avais besoin d'un échafaudage pour refaire la toiture de la maison. Donc j'ai regardé au niveau des prix pour les échafaudages plutôt professionnels, parce que les amateurs, il me semble que ça ne tient pas debout très longtemps. Donc en neuf, c'est au moins 3000 euros les 3 mètres. Un plateau, c'est 500 euros. Vu toute la longueur que j'ai, c'est vraiment pas possible. En location, il faudrait faire les travaux moins de 2 semaines pour que ce soit à peu près rentable. Et éventuellement des occasions, mais il faut les trouver, ça reste cher. En parallèle, j'ai trouvé des vidéos de gens qui avaient fait déjà leur échafaudage en bois. Il y a Mick de la chaîne Wood Workshop Beth et Edil Franchement Comtois. Je me suis basé du travail des deux pour faire ça à ma propre sauce, mais c'est un sacré challenge quand même. Ça m'a demandé beaucoup d'heures de réflexion et je travaille déjà un peu le bois, de ce côté-là, ça allait. Enfin bref, c'est possible. Alors le prix, combien ça coûte ? J'ai pas pu compter précisément parce que j'ai acheté du bois de Douglas chez le scieur et qu'avec tout ça j'ai pu faire deux appentis, un poulailler, il y aura la toiture de la maison, l'échafaudage. Enfin, je pense que c'en est pour 600-700 euros. Un échafaudage sur 10 mètres de longueur, 3 mètres de haut. La solidité, c'est assemblé à base de tenons mordane. Ça traverse et ensuite c'est chevillé avec une cheville ou un coin, un peu comme un tenon mortaise mais qui traverse quoi. Ça bouge peut-être un peu en haut si on n'a pas mis assez de contreventement. Contreventement, c'est les planches qui sont de travers un peu partout. Il faut être soit plusieurs à le faire, soit assez costaud quand même, parce que ça pèse quand même très lourd tout ça. Sinon, pour les outils et les compétences, ça pourrait être fait totalement avec des outils manuels, mais il faut qu'ils soient de qualité, franchement, et il faut être assez bon. Sinon, une petite scie circulaire mobile électrique, ça me semble être indispensable, au moins. Si on se sent pas de pouvoir faire des tenons mordanes, on pourrait éventuellement mettre des équerres ou des sabots. Il y en a qui font leur charpente avec des sabots ou leur solivage de plancher. Évidemment, ce sera peut-être moins solide et plus coûteux du coup. Pour les sections de bois, c'est des bastingues de 15 cm par 5 cm. Avec un tout petit bout tout en bas pour tenir l'ensemble, pour pas que ça s'enfonce. Les tenons, c'est juste des chevrons 6 par 8 cm. Évidemment, c'est un petit peu taillé pour qu'ils rentrent dedans. Et le plateau d'échafaudage, c'est des madriers de 20 cm par 8 cm. Et ça, ça pèse très lourd. Bon, là, c'est des madriers qui font seulement 3 mètres de long. Mais on peut très bien en mettre des 6 mètres de long et se passer plus les échelles. Alors, il y a une échelle qui est à 4 mètres 30. Et l'autre, on voit pas bien, juste à 3 mètres 30. Hop là, je montre mieux. Donc, j'ai mis la hauteur de celle-ci à 4 mètres 30 pour mettre un garde-corps. Parce que sinon ça fout un peu les boules d'être tout en haut là sans rien. Et là contre le mur c'est à 3,30 m. Donc il faut pas aller dans un magasin de bricolage, faut vraiment demander du bois aussi. Et voilà la merveilleuse toiture. Faite de brick and broc. Je pense que je pourrais quand même difficilement faire pire. Si je peux me permettre. Enfin on verra. Voilà, ça c'est les petits supports en bastin. Ça fait 22 cm de long. Puis évidemment, les planches de contreventement, c'est des planches de coffrage en Douglas. 27 mm d'épaisseur et 15 cm de large. Bon, de longueur, par contre, ça fait 4 mètres. Il faudra prévoir aussi quelques petites vis en diamètre de 5 mm et diamètre de 6 mm. Alors la longueur, ce sera en 50, 70, quelque chose comme ça, ça dépendra. Prévoir éventuellement aussi des petites équerres pour mettre au mur ou des sangles à faire passer, histoire de solidifier le tout si ça breloque un peu. C'est quand même mieux de mettre tout ça de niveau avant de commencer à poser l'échafaudage ou même avant de le mesurer. Parce que quand il est de travers, c'est pas facile. Là, je suis carrément pas mal descendu. Sinon, faut mettre des parpaings
au bout le plus bas si c'est pas possible de creuser. On va faire une échelle ensemble. Donc on a besoin d'un chevron de 6 par 8. Celui-là il fait 4 mètres de long. On aura besoin des bastins. Ceux-là font 5 mètres de long. 2 bastingues. Et enfin en dessous c'est les chevrons de 6 mètres. Ça c'est pour la maison. Ce que j'oublie de dire aussi, c'est que tout ça après ça peut servir pour autre chose. Là ça sert pour l'échafaudage. Mais après ça pourra servir par exemple à des cloisons dans la maison ou n'importe quoi d'autre. Bon déjà je vais couper les 3 tenons en 1m10 à partir du chevron de 4 mètres. J'ai choisi cette longueur parce que c'est à cause des serre-joints qui font 1 mètre maximum. Et comme ça je peux bien serrer avant l'assemblage. Mais de toute manière c'est pas obligatoire d'utiliser des serre-joints. Donc pour faire les tenons, j'ai dû améliorer ma table de scie circulaire. J'ai mis une planche, mais bien rabotée pour que ça puisse glisser. Si on n'a pas de bois raboté, on peut mettre du contreplaqué aussi. Alors la distance entre le guide et arrière de la lame fait 105 mm, parce que comme ça on a 50 mm pour mettre dans le bastin et 55 pour cheviller ensuite. C'est une lame spéciale qui fait 8 mm d'épaisseur, ce qui permet d'enlever beaucoup de matière à la fois. Et j'ai fait la hauteur avec la règle de toupilleur de 15 mm. Mais après, tout dépend de la taille du bois qu'on utilise. J'ai amélioré aussi le guide, mettant 2 vis à bois et des rondelles pour bien tenir. Je vérifie quand même qu'il soit pas loin des 32 mm que j'ai décidé. Après on va relimer ça. À peu près ça. Je vais couper les bastingues qui servent pour l'échelle. Donc le grand à 4 m30 et le petit à 3 m30. 3 m30 pour passer sous la toiture, enfin sous ma toiture à moi, et 4 m30 pour mettre le garde-corps, 1 mètre de plus quoi. Ce qu'il faut c'est au moins avoir un côté coupé clair pour que ce sera celui-là qui touchera le sol. Et je profite de faire des petites cales de sol avec le bout restant. Voilà, j'ai plus qu'à tracer les mortaises, mais ça ce sera pour demain. Et le bout qui reste, il fait 1m80, donc je vais pas le couper, il servira bien à autre chose. Un bastin d'1m80, c'est toujours sympa. Je trace l'endroit où commencent les mortaises. Donc déjà à 50 cm. À 179. Et enfin 308. Mais ça, c'est surtout valable pour mes mesures à moi. J'ai tracé les lignes de départ des deux côtés. Là, mon compact, j'ai réglé à 81 mm pour l'épaisseur des chevrons. Parce que mes chevrons font 81 mm. Il faut que je fasse ça des deux côtés, pareil.
J'ai relevé un côté de mon tréteau pour avoir les planches de niveau, les bastings de niveau, parce que le sol de la grange y part légèrement en biais. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur comment faire ce genre de tréteau. J'ai reproduit le même gabarit que Mick. Ça permet d'avoir le milieu du bastin. Alors sur mon gabarit, il y a trois vis, une en plein milieu et les deux autres sur les bords. D'ailleurs, j'aurais pu les décaler un petit peu plus parce que là, on est à 1 mm de décalage. Elles sont en diagonale. Parce qu'en fait, quand on pivote, elles se retrouvent dans le bon axe, du coup. D'ailleurs, ça marche beaucoup moins bien de l'autre côté. Là, elles sont dans le même axe, ça fait qu'un milieu. Donc c'est juste une petite planchette qui est creusée en son milieu, avec trois vis et des chevilles pour guider les côtés. Alors c'est très pratique parce que notamment ce bastin là, il fait 14,8 cm et c'est jamais trop la même taille, surtout avec le séchage. J'appuie bien sur les côtés et au milieu. Bon, j'aurais dû mettre des serre-joints. Là je vérifie quand même avec l'équerre que ce soit d'équerre, pour être sûr que j'ai pas foiré ma mesure. Pour tracer le trait du bas. Oula, 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 on dépasse. On dépasse. N'importe quoi. C'est plus facile quand même. Et voilà, j'ai ma mortaise. D'ailleurs, faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Avant de retourner le bastin, pour faire les mesures de l'autre côté, j'en profite pour donner un petit coup de ciseau de charpente, un ébauchoir, pour éviter l'éclatement du bois. Par contre, c'est peut-être pas l'outil adapté dans cette condition, peut-être qu'il faut plutôt un grand ciseau de menuisier, et toujours bien affûté. Maintenant, l'étape de percer des trous pour enlever pas mal de matière. Donc ça, c'est une mèche plate. C'est pas forcément le mieux qui existe, mais ça a le mérite de fonctionner. J'ai voulu faire le malin en achetant une mèche avec trois facettes, mais ça a jamais rentré dans le bois, et en plus, ça a cassé le bout. Alors je sais pas, c'est peut-être pas adapté pour entrer dans du bois brut, du bois massif. Ce qu'il faudrait, c'est une mèche de charpente en 32 mm, mais ça coûte quand même assez cher. Une comme ça en 32 mm. Je me suis arrêté un peu avant la fin pour éviter l'éclatement du bois. Plus qu'à équerrir tout ça au ciseau. Et le truc, c'est qu'il faut jamais trop forcer, sinon ça éclate le bois. Maintenant, faut faire l'autre côté.
Là, je me suis fait un tenon témoin que j'ai beaucoup plus usé que les autres. Donc si j'arrive à le rentrer facilement, là c'est le cas, bah, il faut que j'arrête de limer. Et voilà. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de marquer l'emplacement du tenon. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de risque de se tromper. Voilà, vu que c'est assez lourd et surtout très encombrant, je préfère le monter sur place. Ça rentre pile poil. C'est pas une étape absolument nécessaire, mais au moins on est sûr que ce soit bien calé. Ça rentrait un peu mieux que ça à l'atelier, j'aurais dû limer un peu plus. Alors voilà, les chevilles, elles sont achetées. J'aurais pu les faire, mais c'est encore toute une histoire. 8 mm sur le bout le plus petit. Donc je perce à 8 mm. Voilà, parfait. J'oublie de préciser que ces chevilles en chaîne, c'est pas vraiment pas très cher à acheter. Mais c'est sans doute pas non plus très compliqué à fabriquer soi-même. Un genre de coin bien calibré. Progressivement, je suis venu meilleur, je sais à peu près quand est-ce que ça va rentrer.
Et voilà, du premier coup. Voilà, c'est le grand jour du montage d'échafaudage. On a les échelles ici, quelques madriers. Les fouilles, c'est terminé, je pense. Mais la météo, c'est n'importe quoi. Un peu de soleil, un peu d'orage, une pluie très fine par moment. Mais ça va le faire. J'ai retrouvé pas mal de petits trucs de bouts de ferraille ou de bouts d'ardoise. D'ailleurs, j'aimerais bien un détecteur de métaux pour retrouver tout un tas de trucs. Y compris les petits embouts que je perds parfois. Alors j'ai 5 échelles, presque une de trop parce que ce serait suffisant en 4 échelles ici, mais bon comme ça ce sera plus solide. J'essaye de faire en sorte que ce soit bien de niveau avec mes petites cales que j'ai fabriquées auparavant, et plus qu'à poser. Attention. Ah oui, c'est celui-là. Pardon. Là. Impeccable. Vu que je suis à un niveau parfait, je vais solidariser le bas et le haut. Et je vais utiliser des petites vis de 4,5 x 50. C'est des vis que j'utilise pas beaucoup, alors tant qu'à faire. Puis de toute façon, je pourrais les récupérer à la fin du chantier. En tout cas, il y en a un qui adore. Qu'est-ce qu'il fait? Tu descends, oui? Entre-temps, je m'assure que tout est à plat. Bon, maintenant qu'on est pas mal, je vais venir glisser des madriers au second étage pour stabiliser l'ensemble. Ça va être la nuit, alors je sais pas si je vais pouvoir tout filmer. Faut que je mette des planches en diagonale, là, partout, pour contreventer. Ensuite, je vais me poster au deuxième étage avec de nouveaux madriers. On dit que c'est ça, ça c'est un madrier. Cette petite planchette. Et hop, je vais venir les glisser par-dessus, comme ça. Et ça va bien se passer.
Barbecue. Santé. Ça y est, j'ai posé les madriers. Faut encore que je mette un garde-corps en chevron tout en haut. Et une planche de contreventement ici. Faut que je la découpe un peu de biais. Normalement, faudrait que j'en mette une tout au bout. Mais je peux pas trop, il n'y a pas vraiment la place à cause de la clôture des poulaillers. Je savais qu'il fallait pas que je mette une clôture ici, mais je l'ai mise quand même. Le vent vient de me pousser la planche. Voilà, il n'y a vraiment pas trop d'espace en fait. Peut-être qu'un jour je bougerai tout ça. N'est-ce pas? Du coup, j'ai laissé un plateau en madrier au milieu. Un sol. Et sinon, il y a toute la longueur au-dessus. Pour le milieu, j'escalade comme un yamakasi par les planches là. C'est pas facile de filmer escalader en même temps. Alors, petite particularité, c'est que j'ai décidé de mettre le plancher du milieu par-dessus les deux autres. Donc ça laisse un petit vide ici, mais c'est pas grave. Enfin, à la limite, je pourrais mettre des chevrons. Ça doit faire pile poil 8 cm. Alors, faut pas faire des cheminées comme ça, ça marche pas du tout, hein, ça tire pas. Ça n'a aucun intérêt. Donc ma planche, elle va venir à peu près comme ça. Juste tracer l'angle. Et ensuite, je le découperai comme ça au bout. Voilà, comme je disais, l'angle est ici. Et du coup, je coupe là. Et pas de surprise, c'est un angle à 45 degrés du coup. Pour la découpe du sol, c'est un peu plus aléatoire. Là, c'est 38 degrés. Est-ce que j'ai dit que j'aime bien les serre-joints, mais qu'on en a jamais assez? Donc là, on va pas se rendre compte à la caméra, mais ça tient beaucoup mieux. Ça ne balance plus comme ça d'avant en arrière. Enfin, ça balançait déjà pas beaucoup, mais c'est encore mieux maintenant. Alors grâce à la particularité que j'ai placé mes madriers, je peux marcher ici sans que ça bascule en arrière, ce qui serait un peu dangereux. Sinon, il faut s'assurer de mettre les madriers entre les échelles. Donc voilà, c'est déjà tranquille. Bon, ici quand même ça fait un peu peur quand on se met sur le bord extrême, mais en marchant au milieu il n'y a pas de souci. Donc ici ça bouge encore un tout petit peu, mais c'est pas trop grave encore. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je peux marcher là sans que ça s'effondre, sans que ça parte en avant. Vu que c'est tenu par les madriers ici. Donc là, j'ai fait ma petite rambarde de garde-corps. On n'a jamais assez de serre-joint. Ici, je vais doubler comme ça et peut-être que je mettrai une poulie. Ça souffle. Et ça bouge pas. Pour les vis, j'ai utilisé de la 6x100. Pareil, c'est des vis que j'utilise pas beaucoup, d'ailleurs ça se voit la poussière sur la boîte. Ici j'ai mis mes deux petits chevrons pour peut-être une future potence. Il suffira juste de mettre un chevron comme ça et un qui va en avant. Et après il faudra voir pour le système pour remonter juste avec une ficelle ou je sais pas, une cordelette. Donc là j'ai pas peur du tout moi. Sans me vanter.
Alors ici au bout par contre c'est pas forcément tout à fait rassurant. Peut-être qu'il faudrait se mettre un chevron en travers là. Bon là ça bouge pas du tout celui-là de côté. Grâce à la planche magique de contreventement. Et par contre ici ça bouge quand même un petit peu. Mais bon, rien non plus de foufou. C'est un balcon à environ 3,50 m du sol et 8,50 m de long. Et on est pas mal là, hein. Il manquerait plus qu'un petit siège. Il y a de la pomme. Manger une pomme par jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, cet échafaudage a été une expérience très rock'n'roll.